Bon, maintenant on est avec le téléphone et la GoPro. Bon, on va se mettre ici. Normalement, vous me voyez dans les deux caméras. Voilà, j'ai les 10 participants dans cette petite boîte. J'espère que ça va pas s'envoler parce qu'il y a un peu de vent. Voilà. Ils sont tous là, il y a les 10 personnes. Et puis, bah voilà. On va faire le petit tirage comme ça. Go les 500 abonnés les gars s'il vous plaît. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos qui sont pas abonnées. Là je sais pas du tout qui c'est qui quoi. Je sais pas si vous voyez bien avec le téléphone. La GoPro c'est mort, vous voyez pas vous. Alors je vais vous prendre sinon ça sera plus simple. Voilà, tous les petits bouts de papier sont là. C'est tous les mêmes, il n'y a pas un qui change ou quoi que je peux choisir. C'est tous les mêmes. Alors il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Il y a les 10 personnes. Je ne sais pas qui c'est qui est quoi. Avec le téléphone, j'espère que vous voyez. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder avec le téléphone si on voit maintenant. Ce serait malaisant. Exactement, on ne voit pas. On ne voit pas du tout. Voilà, là on voit. C'est vraiment malaisant. Mais bon, quand on est tout seul, c'est comme ça. Faut se débrouiller. Alors, normalement, vous voyez bien. De toute façon, j'aurai la GoPro en même temps. Je vais choisir un petit bout de papier au hasard. Je vais prendre celui-là. Voilà. De toute façon, les gars, il n'y a pas de triche sur ma chaîne. Ça, c'est sûr et certain. Alors, je ne vais pas faire voir vite fait l'adresse parce que... Ah! Eh, les gars. Alors, attendez. On a une personne, normalement... qui kifferait avoir la GoPro parce qu'il commence YouTube. Théo, toi mon pote, c'est toi qui as la GoPro. Normalement, c'est si c'est toi qui as choisi la GoPro, c'est toi. Théo Erisman. Voilà. Alors mec, alors maintenant on va se parler avec le téléphone. On va le ramener vers nous. Yop là. C'est pas pratique tout seul. Est-ce que je suis bien dans le champ? Tac, tac, normalement oui. Alors mec, c'est toi le gagnant, Théo. Envoie-moi un mail avec nom, prénom, adresse, ton adresse de chez toi, code postal. Putain, ils sont pas loin les flics là. Code postal. Dès que tu m'auras envoyé tout ça aujourd'hui, ou même demain, tout dépend, la vidéo sera postée quand, normalement elle sera postée aujourd'hui. Tu m'envoies tout ce que je t'ai demandé. Et puis tu me dis soit la GoPro ou soit les 30 euros ou un cadeau pour ça, mais je pense que tu vas choisir la GoPro, ce qui est le bon choix. Surtout si tu veux commencer YouTube, ça dépanne, moi j'ai commencé avec ça. Même si le téléphone c'est de meilleure qualité, on va pas se le cacher. J'espère vous. Ça me fait flipper que vous voyez peut-être pas, je vois pas le retour. Voilà, bon les gars, sur ce pour le concours, ça sera tout. Ah oui, bon, je vais vous laisser, il y a l'hélicoptère, on va essayer de le filmer vite fait. Il est où? Là. Il est passé juste au-dessus de la... juste au-dessus de moi. Bon les gars, pour le concours, ça sera tout. Il y en aura un le mois prochain, tous les mois. Et je répète, il n'y a pas de triche sur la chaîne, les gars. Je ne connais pas ces personnes. Parce que je sais, je reçois quelques commentaires il y a des fois en disant que je connaissais des personnes. Mais pas du tout. Là, je peux. Alors je vais vous dire des messages que j'ai reçus de. Des personnes qui m'ont envoyé des petits bouts de papier, j'ai reçu des très très beaux messages. Alors attendez, je vais vous les lire. Enfin, pas tous, mais il y en a beaucoup. Alors, je vais pas dire le. Ouais, Golvin, voilà, un abonné, l'un de mes premiers abonnés qui habite pas loin de chez moi, il m'a mis à. Ah ouais, quand même, j'aurais pas aimé. Me la prendre cette gamelle. On parle entre guillemets de la vidéo que je vous avais demandé d'aller voir pour participer. Alors on va en reprendre un autre. Peut-être le mieux c'est pas que vous me voyez peut-être bien. Pas trop près. Oh là damn, ça va tomber cette connerie là. Ouais, normalement vous me voyez pas trop, mais au moins vous voyez mieux que ça. Maison illuminée du 76. Allez voir sa chaîne YouTube les gars, il a une chaîne YouTube. Voilà, il m'a dit, t'as dû avoir une belle frayeur. Oui, ce jour-là, j'étais pas bien du tout.
Pendant un instant, j'ai cru que j'étais morte. Quand je me crache dans la vidéo, on m'entend pas parler pendant, je sais pas, quelques secondes. Bon, après, il y a mon pote qui est venu me voir. Une autre chaîne YouTube, les gars, allez vous abonner. Go les 200 abonnés sur sa chaîne. Il est à 197. Illuminé de Noël. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, il m'a mis impressionnant plus un like. Voilà. La gamelle, impressionnant plus un like. Merci beaucoup, poteau. Ça fait vraiment plaisir. Et allez voir sa chaîne, les gars, et n'hésitez pas à lui faire les 200 abonnés. Paul Bonhomme. Ah ouais, non, il m'a pas mis de message, mais il m'a mis toute son adresse. Ok, on va pas la dire. Avec la GoPro, vous voyez rien, les gars, mais je suis désolé. Ah ouais, Florent, je participe, il m'a mis. Avec la GoPro, je ferai une coupure, les gars, et je vous reprendrai sur une nouvelle vidéo. Voilà, tout simplement. Martin Jabot, impressionnant, il m'a mis. Merci beaucoup, poteau. Allez voir sa chaîne aussi, YouTube. À toutes les personnes que je dis, normalement, ils ont tous une chaîne YouTube. Comme lui, là, il a une chaîne YouTube, c'est RMK Rider. Voilà. Ah ouais, chaud. Au moins, tu as réussi à filmer ça. Ouais, c'est clair. Parce que souvent, quand on a des choses comme ça, on n'a pas de caméra ou quoi. Et puis, bon, bah, c'est un peu la merde. Va chaud de chaud. Voilà, une chaîne YouTube, les gars. Allez voir sa chaîne YouTube. C'est un poteau que j'ai croisé au YCF. Voilà, ça fait vraiment plaisir. Alors, il m'a mis belle pelle. Trois petits points. Celle de l'YCF Tour était pas mal aussi. Plus aérien. Parce que j'en avais refait une au YCF Tour sur ma chaîne. Et ouais, je me suis pris une belle pelle aussi. Qui faisait plaisir. Je crois que je suis abonné aux pelles, mais bon. Et encore, vous savez pas tout ce que j'ai pris en pelle. Parce que vous serez choqués, les gars. Ragnarok 446. Chaîne YouTube, mais je crois qu'il fait pas encore de vidéo. Ouais, alors, ouais, ça doit faire mal. Ouais, ça avait fait mal. Bon, voilà, les gars, j'ai lu tous vos messages de ceux qui ont participé. Allez voir toutes les chaînes YouTube. Voilà, et voilà, go les 500 abonnés, les gars. Et puis voilà, continuez comme ça, il y aura d'autres concours sur la chaîne. Vous pourrez gagner, enfin, tout dépend le mois que j'ai, comme là, le mois dernier. Enfin, ce mois-là, j'ai pas pu vous faire gagner trop. Parce que bon, vous savez que j'ai acheté un moteur de cross, plus pas mal d'autres trucs. Et puis bon, l'argent, elle tombe pas du ciel. Mais voilà, au moins, je vous fais gagner quelques petits trucs. Ça fait plaisir. Bon, la caméra, je sais pas si vous allez me voir avec le téléphone. Hop, on va l'enlever du trépied. Alors, pour une petite anecdote, ce pont-là qui est là, je le connais depuis très très longtemps, voire tout petit. Et la toute première fois que je suis venu, j'avais une pièce de 2 euros sur moi, dans ma petite poche. Et puis, alors attendez, je vous fais voir ça mieux. Voilà, on est ici. Et là, sur le bord, un des bords, je me rappelle plus, j'ai fait tomber cette pièce de 2 euros. Je ne l'ai jamais retrouvée. Ça veut dire peut-être qu'ici, il y a une pièce de 2 euros qui est la mienne. C'est des petites anecdotes qui fait plaisir. Jamais retrouvé. Et puis quand t'es petit avec une pièce de 2 euros, bon bah t'es dégoûté quoi. Tu sais que tu peux t'acheter quelque chose, mais en fait non. Bon les gars, sur ce, abonnez-vous, commentez, likez, partagez la chaîne. Les rageux, disparaissez de la chaîne. Comme Benjamin YTB, frérot, casse-toi de la chaîne. Je vais bientôt faire un petit truc en parlant de toi. J'ai des idées, ça va être pas mal. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont rigoler. Et voilà. J'en dis pas plus, mais je compte te faire un petit truc. Le mec qui regarde toutes les... Enfin, il regarde. Il lance sa vidéo. Bah là, il s'était abonné. Je sais même pas pourquoi. Il s'est abonné à ma chaîne. Tout ça pour recevoir les notifications de mes vidéos. Les dislikes. Et puis, pas les regarder jusqu'au bout. Parce que, bon, bah c'est un rageux. Comme celle-là, je sais qu'il la verra pas. C'est pour ça que je parle de lui en fin de vidéo. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne et dislike. Ou mettez-lui un commentaire en lui disant d'arrêter ses conneries. Ça sert strictement à rien. Sur sa chaîne, il y a 2 jours, il avait fait une vidéo où il parlait de moi en disant que ma chaîne, elle était fake. Je pense que je suis l'une des personnes sur YouTube les plus vraies, les plus sincères. Dès que j'ai quelque chose à dire, je le dis. Je fais partager ce que je kiffe. Et voilà, les gars. Restez comme vous êtes. De toute façon, moi, les vrais, je sais qui c'est les vrais. Il n'y a pas moyen.
Et puis je vous laisse là, l'hélico qui revient, on vous le verrez pas de là. Mais voilà les gars, allez, très très bonne fin de matinée, là il est 10h30, 11h. Ah, l'hélico il y arrive. Là vous le voyez. Et puis voilà les gars, allez je vous laisse avant qu'il me fasse chier.